Et coucou tout le monde. Comment ça va? On appelle aux gens de chat là, terrible, la régie qui troll. On espère que vous allez bien. On se retrouve du coup ce week-end en compagnie de Adrien Knarens. Bonsoir. Et Claudine. Et pour l'ouverture de ce live 48h, nous vous proposons une petite présentation. Je parle trop fort, du coup je m'entends en écho, super. Une petite présentation de nos prochains projets qui se déroulent dans un mois, qui n'est d'autre que... Tuesday Cup 2023. Inattendu avec les assets. Non. C'est nasse. C'est nasse. Exactement. Mais malgré que ça soit la campagne, on a la fibre. Hein. Pourtant, on a que ça. Moi, j'ai capté. Non, c'est vrai que moi, je crois que j'ai pas. Et on a la fibre, c'est là. En effet. Merde, je troll. Pardon. Je vous avais coupé le son. Non, Yes. On attend quasi pas Claudine. Comment ça? Monte la sensibilité de ton micro ou le gain sur Discord. Terrible. Évidemment, vous pouvez taunt Claudine dans le chat, hein, parce que elle troll. Désolé pour cette interruption, hein. On voit bien qu'il y a une galère technique. Écoutez, le temps de la résolution de ce problème technique. Je vous propose de vous partager le teaser de cette Citizen Cup 2023 et on se retrouve juste après pour vous présenter en détail l'événement. On va essayer de dive du coup, parce qu'il met beaucoup de dégâts, on casse les canards, on casse faire complètement arrache par Maître 8, c'est un premier kill, ça reset, et oh, c'est très compliqué, triple kill pour Ezreal. Carvalho qui sera présent pour pouvoir l'arrêter sur Ekater pour continuer peut-être le tir direct de la part de Ichi. Yelka qui va faire tomber également Ichi. Il n'y aura plus qu'un seul défenseur.